Après la tentative d'assassinat contre Assimi Goïta par la France d'Emmanuel Macron, le Mali brise enfin le silence en ce jour. Que se passe-t-il réellement au Mali présentement? Des coups de feu, des armes à feu. Plusieurs personnes s'interrogent ce qui ne va pas au Mali en ce jour. La France fait de terribles précisions sur Assimi Goïta. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Il y a de cela quelques jours, la France a décidé de suspendre ses opérations militaires conjointes au Mali, alors que le pays traverse des moments très difficiles présentement, avec de nombreuses personnalités décidées dont nous avons enregistré en ce jour. Pour Assimi Goïta, les Français font payer au Mali leur choix d'avoir opté pour l'armement russe au détriment de celui de la France. Le Mali a décidé d'acheter des armements en Russie au détriment de la France, a-t-il fait savoir à l'ensemble du pays en ce jour, avant de poursuivre avec ses mots-ci. Ce genre de comportement, la France ne l'a jamais pardonné à ses alliés. Le constitutionnalisme fait même appel à l'histoire pour donner un grand exemple dans le monde entier. Pourquoi Amani Diori, ancien président du Niger, a été tué? C'est parce qu'il avait refusé de vendre son uranium à la France, a-t-il rappelé en ce jour. Pour lui, les Français veulent que l'armement malien émane de chez eux, ce qui n'a pas été le cas en ce jour, et ils ont donc décidé de se retirer du Mali, rapporte une source très proche d'Assimi Goïta en ce jour. Assimi Goïta sera devant la presse française présentement. Il y a de cela une heure, Assimi Goïta annonce son grand direct sur les réseaux sociaux et fait trembler la France. C'est dans ce sens qu'un proche collaborateur d'Assimi Goïta profite de l'occasion et brise le silence. Enseignant et chercheur à l'université de Thiès, d'après lui, il pense que l'insécurité en Afrique de l'Ouest est due à la France. Si l'Afrique de l'Ouest a connu ce cataclysme ces 10 dernières années, c'est à cause de l'immixtion de la France dans la grande éjection de notre sécurité. Ça a été le cas depuis toujours, mais le Mali reste un cas particulier. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre.